Bonjour, toi. Oui, toi. Toi qui as la sensation de voir toutes les icônes de ta jeunesse s'éteindre un à un, et du coup, tu te sens orphelin, presque. Ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'avril, que dois-tu absolument voir dans les salles, deux films exceptionnels pour deux femmes exceptionnelles, Luna et Katie. Je n'ai pas pu choisir entre ces deux films, entre ces deux femmes. Car même si elles vivent dans deux mondes très différents, même si elles semblent opposées sur bien des aspects, j'ai aimé ces deux femmes, ces deux films, ces deux manières de voir le monde et de chercher le pardon d'une vie passée à attendre. Attendre de voir la lumière lorsque l'on passe son temps à vivre dans le noir et dans l'ombre de quelqu'un, comme c'est le cas de Luna. Ou attendre d'être trahi par un monde dont on cherche à tirer le meilleur, quitte à souffrir le martyr et à ne jamais pouvoir se plaindre, comme c'est le cas de Katie Says Goodbye. Deux visions du monde, finalement liées par la renaissance d'un personnage. Voire même deux ici. Mais quel personnage, quelle forme et quelle puissance que celle que dégagent ces deux femmes absolument magnifiques et radieuses comme jamais. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur Katie Says Goodbye, c'est beau de voir un portrait de femme qui aille bien plus loin que simplement chercher à montrer une femme qui va de l'avant, mais de montrer une femme qui affronte le monde et qui le bouleverse, le renverse, et ainsi en tire le meilleur, la quintessence la plus pure. Luna et Katie sont liées par cela. Par cette idée que le monde ne se reconstruira pas en un jour, et que l'amour est certainement la meilleure des défenses possibles à sa chute inexorable et cruelle, qui pourrait tous nous détruire, mais pas ces femmes, pas ces combattantes, ces guerrières du quotidien. Que ce soit Roberts ou Dillinger, que ce soit par le biais d'un regard masculin ou féminin, ces deux femmes prennent vie et entretiennent un rapport unique avec le spectateur. Que ce soit une sensation profonde d'humilité devant la puissance de ces deux portraits, que ce soit un intense respect pour le combat intérieur et extérieur qu'elles mènent, que ce soit simplement par empathie pour la femme qui se cache derrière la guerrière, ou par pure fascination pour la combattante qui fait face au monde, on aime ces deux femmes. On aime le cinéma pour cela, ou en tout cas personnellement je vis pour voir des femmes comme celle-ci sur un écran de cinéma. Des femmes qui ne s'enferment pas dans leurs conditions, mais qui vont affronter la misère du monde et tenter d'en tirer le meilleur, quitte à finir en larmes face dans la poussière, ou dans le dos d'un homme qui a su les réveiller. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Luna ou Katie Says Goodbye. Dans les deux cas, vous allez vivre une expérience de cinéma unique, voir une grande femme prendre vie et dominer un long métrage où elle brille par le féminin, mais surtout par l'humain.